Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Avant de nous rentrer avec toute information qui fait la une et la toute. Semaine-là, nous allons entrer avec un point important pour nous analyser ensemble avec toutes les années du Cameroun sur l'enquête assassinat de Jovenel Moïse. Là. Est-ce que le président Jovenel Moïse privé joindre justice? Ou bien est-ce que Jovenel Moïse a bien côté lié à? Nous ne connaissons pas. Et cependant, on dit carrément, que il y a des signes qui montrent déjà que Jovenel Moïse est capable de parvenir en justice. Et nous sommes capables de dire que le dossier Jovenel Moïse là capable de passer comme une simple lettre à la. Hein? Vu et ça n'a pas suivre. Le dernier moment, ça y est, l'information qui a sorti, soit la presse locale et dans la presse nationale. Beaucoup de Léis Meléo qui a vu le dossier, ça, quelques gens disent là, et il pourra remettre en question toute une série de déclarations que l'ancienne première dame a fait. Il n'est pas fait. Mais je ne veux dire là, dossier Jovenel Moïse là, eh bien, c'est un dossier qui est plus que compliqué. T'as même que quelqu'un a fait deal et qui dégage la question de la mort ancien président pays. Je veux dire, sans capable d'où l'information qui gagne, c'est que on gagne un journal colombien que les Caracol. Il y a un pile monde qui pense que eh bien, c'est gros. Gros trafiquants qui gagnent l'argent, et bien fait notice à ce caracol, fait des informations. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire ça, puisque nous avons plus de bagages que nous dit, et bien que ce n'est pas aujourd'hui, que ce n'est pas demain, mais une vérité. Et nous voyons tout que le gouvernement colombien a appuyé en pile sous ça que dit et sous ça que notice à col déclaré dans le cas d'enquête. Je veux dire à l'éclair que Noticias Caracol rapporté que c'est bien. Il y a un militaire colombien qui était en Haïti qui exécutait Jovenel Moïse. Colombien s'appelait Victor Pineda. Selon ça que Noticias Caracol rapporté, mission 7 juillet de l'ESEC était tout simplement qui ont été enlevés de Magou l'argent que le Kala, dont monté de 45 millions de dollars, qui était en dedans qu'à chef l'État. Selon le garanti que il y a 18 millions de dollars, comme ça, et les sites bien réalisés, mercenaires ont gagné 18 millions pour eux, et qu'à séparer entre eux-mêmes. Et mercenaires ont rentré la caille dans la chambre de Jovenel Moïse là, nous prenons le nom. Colombien qui est en cas là, il y a Pes Clavio Boncalo qui fermait actuellement la pénitentiaire nationale. Il y a Pimia Cardona Victor Albeir qui est la pénitentiaire nationale. Il y a Romero Medina et Michel Mouri, juste à dire à l'échange avec la police. Et Gol, Dibène et Giraldo, il y a Saint-Jean à la retraite qui mourit tout. Monsieur a pénétré la chemise et sans cesse quatre necks à eux qui t'a cherché côté Makout, Jakout Lalan, Jakout Lyon, hein, tiré. Et si pas que du président dimanche, c'est que nous pas connaît comment révélation ça avait fait, mais t'as semblé que gagné, il y a un conseiller proche président, hein, on parle de Ludéris. Et donc, déclaré, et là, il y
your voice. Alors, comme vous là, de tellement de appareils qui pouvaient faire voice et quoi bon, mais par contre, si c'est bon Libéris là, qui te fait là, ou bien Libéris électronique là, qui te fait connaître Jovenel Moïse, bon, 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 que tu as l'ouvrir, privé. Et est-ce que déclaration ça, tu as prouvé tout le monde que c'est confirmé que le président te gagné une forte somme d'argent en dedans de la là. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire 45 millions, pas là. Mais nous seulement répéter ça que nous tous à ce caracol apporté. Et même dans le tout responsable de droit de l'homme, dit bien, responsable droit de l'homme humain dans le pays d'Haïti, nous parlons de Tipier l'Espérance, tout que, eh bien, l'Iroué que en pile, en pile l'argent, en nouvelle cage de Moïse, l'argent ça y est, eh bien, il était dans le sac des RH. Ah, des espérances, c'est Tipier l'Espérance. Il est le fait de voir ce ça, là, mais quoi, il y a une station dans la capitale là. Donc, nous, on a que, bien, assez de l'Espérance qui fait, qui t'a mis en courbouille, ou t'a fait comprendre que, t'es gagné, l'argent, en question de com, qui t'a parlé, qui était en deux tailles, Jovenel Moïse. Donc, selon les révélations qui fait, et 18 Colombiens qui l'ont pris en la pénitentiaire nationale, eh bien, c'est un ancien militaire colombien, Victor Pineda. C'est-à-dire, Pineda, c'est lui-même qui exécutait Jovenel Moïse. C'est ça que qui révélé. 18 colombiens fermés en prison nationale. Alors, 418 euros confirmé que c'est Victor Pineda lui-même qui exécutait Jovenel Moïse. Et nous avons voir le gouvernement colombien passant des affaires supérieures, puis on fait qu'on est à nous libérer quelques colombiens qui ferment la pénitentiaire, tout le cadre qui a participé à l'opération pour tuer le président. Donc, qui ressemble, ça semble, voilà, et gouvernement colombien vendait au gouvernement haïtien que chaque soldat yo, ou bien chaque colombien yo, ou bien permettre qu'il y ait un avocat, et chaque libéré yo, défend de responsable de l'assassinat de Jovenel Moïse là. Donc, notice Caracol confirmé que c'est Victor. Bon, le côté par lui-même, avec les paroles qui exécutait le président haïtien, Jovenel Moïse. Pour nous, je vais le dire, dans le quotidien le New York Times, l'édition samedi 21 août 2021, l'ISA se mettait à nu. Tout effort, tout palabre, tout reste qui est PHTK, qui était censé taper, vous et gros paroles montées, parler, demander bien enquête internationale qui fait sous question affaire assassinat de Jovenel Moïse là. Et nous voyons tout, même ancien premier ministre passé, et à coup, l'eau à la voix, demandé. Eh bien, nous croyons que je vous dis à là, eh bien, à l'article New York Times, il est cadavre là, il était à nu, enquête, pour joindre la vérité. Sur l'assassinat de Jovenel Moïse là, selon l'article New York Times, non? Il y a un chef responsable, chef sécurité Jovenel Moïse, qui s'est été PM Dimitri Rah, son homme qui tape baigné dans le trafic cocaïne, et à jeudi stationné en Haïti, c'est un gros coup de jeu, c'est un gros coup de longue vue dans l'activité Dimitri Rah, tapé dans le pays. Je parlais côté que Dimitri a été trompé. Deux fois, l'enquête bateau sucre qui était sorti Panama, et bateau de Lana, qui était porté plus passé 800 kg de cocaïne avec 300 kg, et où il était accosté le roi Fouise là. Et côté que Dirier, dans l'ouvri, pour l'enquête, chat et cocaïne d'abord, bateau ça. Et bien, il était fini de découvrir finalement un petit reste aux environs de 120 kg. Et le rapport de Baïsayo, et bien, le service de renseignement a sorti, il était gagné bonne information que Dimitri Rah, avec l'équipe policière,
4 présidentielles, te ramasser plus fort cocaïne qui était à Bobatoa, le roi Fouy de Mesla, ensemble avec mon frère Michel Matéli, qui est Charles Pico Serrini, de l'activité ça. C'est toujours sur le New York Times, l'édition samedi 21 août là. Donc, soit, il y a un jour ou bien là, d'un coup, je nous dis là, selon jeune ou un dossier ça a défini, je vais me risquer capable de parler de justice. Peut-être, il y a un jour où je dis là, bonjour vérité là, qui a sorti, puisque d'un coup, je n'ai pas dit encore, les affaires d'État, les affaires Moïse, eh bien, c'est deux dossiers. Mais à ce moment, l'arrêt d'État, l'emporte souvent de tout savoir. Mais quoi que, d'un coup, je suis là, déjà, comme des murs, pas de plus que de la sorte de nous qui sorti. Pas de plus parole de nous qui parler. Et d'un coup, je nous crois déjà tout, eh bien, nous le disons encore, capable d'arriver à une justice, honnêteté, à tout le monde dépassé là, puisque, en plus de confusion, et bien, en plus de vérité, elle est capée de dehors, nous là, c'est bien plus pour nous avec, nous a fait deal, qui a fait, elle est pour la cause, Jovenel Moïse, Al-Bouacha, le pays de Saint-Chapeau. Donc, c'est comme ça la situation est. Mais en ce temps, je suis de près, ça que le journal colombien a dit, ça que la presse américaine a bâillé, parce que c'est à partir de ça qu'on est là, on exactement, est-ce que dossier Jovenel Moïse là a passé comme un simple lettre à la poste, ou bien son dossier, eh bien, après comme ça, eh bien, il est capable de rebondir encore. Puis nous avons là, la suite de ça de près, et la vague pour nous tourner, pour nous porter plus d'informations pour tous les amis auditeurs. À auditrice avec groupe culturel là. Entre temps, nous voyons ce même temps gagné émissaire américain Daniel Foote, Daniel Foote en Haïti, et monsieur rencontré avec plusieurs secteurs de classe politique là. Et alors, monsieur rencontré avec plusieurs dirigeants politiques en bas, il parle à tout le monde. Et t'as semblé que, après toute rencontre qui vient de faire, Daniel Foote, il y a un dernier groupement politique que le parle ensemble avec eux, et nous allons citer aussi avec Osmo Pradel. Ok? Daniel Foote, t'as connu que, lui-même, les Poutagayens, ils ont un dirigeant inconstitutionnel au lieu de deux dirigeants inconstitutionnels dans quel pays. Donc, tandis que, sujet contre Daniel Foote semaine ça, c'était sécurité avec question conseil électoral provisoire. Donc, je crois que les réponses que le secteur a demandé au régime bicéphale, radical, de tête président, premier ministre, donc, donc Daniel Foote lui-même qui se passe, facilitateur que le gouvernement américain mettait pour rester longtemps dans la ICO, lui-même, lui tranché. Il dit carrément que il a préféré pour gagner un dirigeant inconstitutionnel au lieu que de deux dirigeants constitutionnels dans le pays. Nous en bien, au lieu de deux dirigeants constitutionnels, vaut mieux en avoir un seul. Et l'information sera confirmée par Osmo Pradel. Hein? Donc Osmo Pradel nous connaît et c'est un gros habitant. Opposition. Monsieur Gagnel a parlé avec, il était rencontré avec Monsieur Daniel. Et Daniel Foote, c'est ça qu'il déclarait carrément le cadre de compte qu'il a gagné avec Osmo Pradel. Donc c'est comme ça. Et question ça, lui-même lié au mouvement ça là. À côté de ça, il faut nous faire tout le monde connaître le monde qui gagne un service téléphone avec compagnie américaine. Verizon. Si on a un service cellulaire avec compagnie Verizon, il a annoncé que Verizon pour annuler tout frais ou appel client et professionnel sans filiaux et qui appelait Haïti. Donc,
Donc, sur le téléphone qui c'est avec la compagnie de Verizon Wireless Cogerly, pendant que vous avez un salaire, vous avez un gratuit sur Haïti, vous êtes capable de brûler 3 millions en Haïti pour que vous avez un salaire. Il y a un bout de l'esco qui va payer, pas même un penny de saline pour payer pour faire ça qu'on peut le faire. Ça, c'est une attention spéciale de la compagnie de Verizon Wireless. Bay tout clientèle li. De l'autre côté, et faut nous offrir tout à l'autre de question pile aide bourade distance qui a périvé le pays. D'abord, il y a un gouvernement colombien qui te voyait deux avions qui portaient 16 tonnes d'aide humanitaire. Ils ont cassé ces deux avions, c'est ça. Vous avez fait un humanité ça en Haïti avec une équipe de 30 techniciens et deux chefs spécialisés pour aider là. Mais on connaît que coïncident qui produit et équipe technicien de gouvernement colombien de Rivéry, et bien le magistrat Jérémy a fait une déclaration pour faire connaître que et bien, même M. Sarki qui est tué, président Jovenel Moïse. Alors, il demandait là pour que la soit élevée. Pour te faire un à l'échelle technicien colombien, ça. Selon ça, nous allons apprendre, l'intervention de la police, il était déployé là bien vite, transféré colombien, ça y est, faire rentrer pour nos presse bien rapide et une façon pour arriver sur l'information que nous y avons. On l'a côté, on a dit que les Nations Unies débloquent 8 millions pour soutenir la réponse humanitaire sur le séisme. Comme ça, après, répondre à besoin immédiat de l'eau, abri, nourriture et pour nous qui touchons. Et Brana devait parler de bien prestige qui offre là près de 96 000 Malta H pour faire cadeau dans la zone côté que le tremblement de terre a frappé. Et puis, dans ce point, elle aussi, voilà 40 millions de dollars américains de une compagnie d'assurance qui est CCRIF, en vertu de l'assurance pays, le pays Caraïbes, pour compte des actuels. Il y a une première tranche de 15 millions de dollars qui a versé par le gouvernement haïtien un jour. Je ne sais pas comme qui joue exactement, mais c'est un jour, ça va prendre le temps. Et puis, le reste de la loi, dans 14 jours. Donc, Elsa, Haïti te recevoir un paiement de 343 au titre de la couverture de franchise à Grèce de sa contre les cyclones tropicaux. Le gouvernement Haïti a te recevoir un versement de 8 millions de dollars et du CCRIF à la suite du tremblement de terre et Haïti bénéficie déjà au total de 3 millions de dollars depuis création CCRIF là, donc qui était créé en 2007, catastrophe Caraïbe que René ça. Mais l'appellement de la population pour l'ouvrir et Nanayo pour connaître 40 millions de dollars ça a dépensé puisque pas l'ouvrir et Nanayo. Il va nous regrenger au bon côté comme ça a passé. Eh bien, un pile prochain capable d'embaucher comme ça. Je dis que sur la réassurance que lieu, et nous, avec le gouvernement haïtien, gouvernement qui est là, docteur, eh bien, littéralement parlé de Kamela Piqueux, peuple là, il y a le droit pour le connaître. Ça que comme ça va le faire, en rang que le gros pillage, passé dans eux. Pour autant ça pour le disparaître. L'Union européenne qui offre là 3 millions d'euros d'aide humanitaire à Haïti. Et puis, comme elle déjà, le SATCOM, qui est le département de la défense des États-Unis, déploie 8 hélicoptères en Haïti. Donc, nous connaissons Gros Chabrak qui doit avoir un contrat de JPHTK pour faire lieu cette population avec un hélicoptère qui est là. Et bien, étant prêté à Haïti là, et prendre 8 hélicoptères, IH-60 Black Hawk,
3 CH-47 Chinook avec 2 HH-60 Pebrant. Gros équipement solide, équipement payé par taxpayer américain, ni la réponse au sinistre en Haïti. N'a pas dit que l'américaine déploie et puis un gros bateau de guerre, amphibie de 27 000 tonnes pour avoir une mission d'aide humanitaire dans le pays d'Haïti. Et fond déjà, il y a plus passé une quinzaine de vols humanitaires qui atterrissent en provenant des États-Unis, du Venezuela, de la Colombie, de la République Dominicaine, des Bahamas et du Chili. Et bien là, toujours pas fini. Car on a besoin que gagner le Royaume-Uni qui est Haïti avec 1 million de livres sterling. Donc, on a besoin un fil de boucher, un fil de couture qui a venu pour capable aider le peuple là. Le grand sud, aider la Grenance ou aider le département d'Ami. Seul bagage, la fin des peuples là, l'origine, veillez toute gang amicaux, puisque dans pile point gang amicaux, dans ces saison-là, qui a préparé le prophète Bayo, sur le groupe. Et nous, on a que Guénec qui est ONG, passeport à tout côté de Haïtien, qui a préparé là, qui a tout fait campagne, qui a préparé campagne. Et il t'a semblé que, oh non, et c'est sous fiel, et bien, victime, quand vous êtes là, il va faire richesse, ou bien il y a assuré, puis il va prendre chaise, ou bien il va capable de venir, ça va le venir. Je dis tout là, Louis Gelgan, veillez en l'air, derrière en haut, derrière en bas. La profitation pour nous envoyer une condoléance à toute à la famille Saint-Éric, normalement, et donc nous pouvons condoléances. Ancien sénateur Bernard Sansaric, et nous connaissons que c'est un parent famille proche de Monseigneur Guy Sansaric en New York qui décédé journée samedi là. Nous connaissons Sansaric, son homme qui couvrait en pile pour que ce soit fait bataille, lutte pour réfugiés par Boïsé. Nous dit que l'homme nous reposait en paix et nous dit tout qu'il fait bon voyage. C'est le nom de toute équipe du club culturel international. Nous voyons condoléances à la famille Sansaric, notamment ancien président de l'Assemblée nationale haïtienne, sénateur Bernard. Voilà, on va tuer avec Julien Lamet et Tabdou, pour sa réactualité. Et pendant que nous avons tapé la gagne, Tabdou, tout que gagné la question. Le rapport que nous gagnons, nous avons gagné 2189 personnes qui mourent partiel jusqu'à présent, et le trajet de vendredi, 12268 blessés, 1832 dans le sud, 137 dans le nid, 212 dans le nord-ouest, et 332 qui portaient disparus. Et nous avons de retour de près de 136 000 800 familles qui sinistrées, qui ont eu sur les trois départements, et 684 400 personnes qui besoin d'assistance humanitaire, d'urgence, et 60 759 maisons détruites, 76 121 maisons endommagées, 25 structures sanitaires affectées, et 1 500 000 Haïtiens qui sont abris, 266 écoles détruites, il y a 60 églises qui crasent, détruites, 27 structures sanitaires, et il y a près de 90 écoles nationales qui partiellement endommagées. Donc, c'est comme ça que sur l'immunité, bien plutôt que plan d'acte là, il y a une tempête tropicale grasse qui fait dégâts dans le sud-est là, et 4 personnes qui mourent dans le sud-est là, il y a la zone Marigot. Il y a 500 cas qui inondés sur un total de 615 et donc dans tout département sud-est là qui était inondé selon information que nous vivons. Donc c'est comme ça que c'est lui-même lié dans ça qui est trouvé avec mauvais temps qui frappait le pays. Donc nous avons de cela nous est campé avec toute information. Mais avant nous aller maintenant, nous avons de tout que insécurité avec kidnapping semaine ça à la capitale là. Gagné Wali de Dieu enlevé le dimanche 15 août dans l'emploi de bouquet. Et docteur Hervé Chéry
un gynécologue de Anvil Petroville 17 août là, 17 août, il était supposé aller délivrer un dame enceinte dans l'hôpital d'Ache dans Petroville, il n'est pas retourné, bandit qui t'a appelé. Un chirurgien, Walkins Alexon, que t'es kidnappé le mec, dans zone Carrefour et du Monde Tabar, docteur Alexon Yonford Ranger, immatriculé 2B10377, ben, il a réclamé depuis $700,000 américains pour libérer lui. Et donc, est-ce que famille va comme là? L'information nous dit même, docteur a libéré depuis hier, vendredi, je viens de libération lui, et je retourne la qualité saine et sauf, selon l'information. Donc, c'est actualité à un gros plan sur Radio Corpus. Là, pour qu'on ait tout, ancien directeur de Blackout d'Haïti, Michel Présumé, et on a THTK, Takapala, Michel Présumé, lui, tiré révérence, il a les autres là-bas. Puisque nous connaissons pas trop, il y a un hôtel qui a prôné l'électricité 24 sur 24, et lui-même, il aurait mis le directeur général EDH là. De façon, pour être capable de chercher un moyen là pour le vendre à tout, puisque son machin est italien, il vend téléco, les gens qui ont passé téléco, et ils ont fait appel de faire l'écho. Michel Présumé, dans tout vente ça, on a fait là. Donc, il est dans l'IDH, mais pas trop aller en l'air, et c'est ça qui est la cause que M. Vinbauer trop ans. Mais malgré tout, sorti à Carrefour, il était en train de courir pour décision là pour te nommer Central Carrefour. Central qui fait avec l'argent que le pays d'Haïti prêtait dans le Taïwan, pour le laisser en cas ça, Central Jovenel Moïse. Et nous pensons que depuis un bon bout de temps, eh bien, bagaille pas fait comme ça quand le pays a. Question de prendre l'argent, que l'argent que le taxpayer haïtien payé, ou bien l'argent que le pays a prêté, pour prendre seul côté non-individu, ça va faire. Ça te supposé que le Parlement qui a décidé son question pareille. Je résume, juste choisi qu'il est passé notre vie et puis le faire connaître que eh bien, Central côté non, eh bien, Jovenel Moïse. Ça, dans le cas où je tire sa révérence, dans le cas où je tire la tête et le 6 juillet, après un pile, eh bien, avec syndicat. KDH là, mais finalement, il installé le bureau lit le 13 juillet. Donc, c'est une installation chambre là. Le ministre de TVTCA est couru à l'installer monsieur comme directeur général EDH, puisque le syndicat EDH n'a pas de monsieur, puisque je connais que le bois état que lié. Et lui, monsieur, que le bois état, et là, c'est qui d'elle. Et bien, après, le bouton de 4 fonds de pauvres que il a pillé dans un sud là. Donc, selon ça qui dit, nous ne connaissons pas est-ce que ce travail, eh bien, une série de nègres, eh bien, qui fait comprendre que il y aurait un miroir pour l'aïe et population dans la zone sud. Hein? Mais nous connaissons que quand il y a un libre, on sait de gang à micro, quand il y a un libre sous question des Africains devant le Tessard, sur les deux affaires personnelles. Il y a extrêmement les pires pour annoncer que il y a un bateau. Eh bien, quand il y a un bateau, avec un pile bagage, un peu de bagage pour vous, pour vous capable d'aller, et pour vous-même, pour vous distribuer, pour vous distribuer par le peuple. En tout cas, je dis population, Louis Jérôme, veillez en haut, veillez en bas, veillez voler, pour aller chercher pour faire fortune, à richesse sous tête, même les gens s'attirer pour l'année 2010, après le premier tremblement de terre qui est passé. C'est un copain, architecte, c'est un pile pour te prêter nos petits temps pour nous capables de faire de la gestion avec les Américains. D'ailleurs, tout le monde a passé une bonne soirée et nous revenons encore sur la même station, même longueur d'onde. Et nous connaissons comment la coutume va nous aller. Nous pas qu'à lier même équipe culturelle pour Dr. Jerry Moncoeur, Charlie 980, Docteur Claude Charles, professeur Sonny Florizard, Adler Jacques, docteur Daniel Sidon, professeur Jocelyn, docteur Alexandre, professeur Gérard Bisset, Gérard Latortue, premier ministre, Paul Sylvestre, et puis le Gaudoyer du Nord, Raymond Laurent,
samedi midi et heure, charité. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.